Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix d'Angleterre 2006, le circuit de Silverstone, ancienne version. La meilleure en version en fait. Non, en vrai, c'est une version qui était plutôt simpliste, c'était plutôt pas mal, je trouve. Donc, c'est parti pour la séance de qualification. Je sais absolument pas ce que ça va donner. On va quitter le garage. J'espère qu'il va faire beau. Il a fait pas très beau en essai libre. J'espère que ça se passera mieux. En tout cas pour la course. En tout cas, beau soleil pour la qualification. C'est déjà ça de prix, on va dire. Et au niveau chrono, on est un peu comme d'habitude. Hein. Il n'y a pas une amélioration spéciale. Faut surtout faire chauffer les gommes au début, parce que si on prend un petit peu le vibreur, on part instantanément à la faute. Donc, on va essayer de faire tranquillement le tour de mise en grille. Voilà, en plus, complètement sorti de la piste. Alors, il est assez permissif, mine de rien. On peut vraiment sortir assez large. Bon, après, c'est pas parce qu'on sort très large qu'on gagne du temps. Mais bon, ça évite au cas où, si on se loupe, de prendre une pénalité et devoir recommencer le tour entier. Descente, ce virage ultra sympa qui n'existe plus malheureusement, en tout cas en Formule 1 actuelle. Allez, c'est parti pour le premier tour chronométré. Il va falloir faire aucune erreur si on veut tenter de passer peut-être en Q2. On a réussi une seule fois à passer en Q2. Alors là j'ai un peu trop ralenti, du coup j'ai moins bonne relance. Mais j'ai pu prendre ma Ghost Becket Chapelle quasiment à fond. Enfin, en tout cas ma Ghost Becket, pas le dernier. Mais c'est plutôt pas mal pour faire un chrono correct. Pareil ici, le vibreur intérieur, il va falloir l'éviter. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'en essai libre, je me suis fait à chaque fois rameuter par une Ferrari. Et ben là, ça change pas. Hein. Même en qualification, c'est pareil. Bon, tour pro arrête, une 23. J'arrive à le prendre à fond. Ouh là là, alors ça par contre, c'est pas le truc à faire en course, parce que j'ai une chance de mourir après le vibreur. Là, ça passe toujours. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Je l'ai bien pris. Même Massa, il a rushé. Alors si Massa veut passer, je laisse passer, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'il passe vraiment dans la ligne droite. Nico Rosberg, qui me gêne pas. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Le problème que j'ai, c'est qu'il a tendance à me rattraper à chaque fois sur la trajectoire. On va essayer d'être malin et de réaccélérer mieux. Je suis complètement courbé là, et malheureusement, et voilà, je suis parti à la faute. Bon, c'est pas grave, on va vite faire revenir au garage. Quitter le garage à nouveau. J'ai fait le 22e temps.
Ah, je suis dégoûté. J'avais fait un temps plutôt correct, c'est le dernier temps. C'était le 19e temps quand j'étais en essai, là c'est le 22e. Ok. Magnifique. Bon, j'ai pas. Je sais que je peux gagner du temps encore, hein. On l'a vu dans le premier secteur tout à l'heure. Mais de là à faire une 21, c'est pas possible. Non, je l'avais bien pris, hein. J'avais pris vraiment où il fallait. Alors je sais que je perds du temps, effectivement, dans le dernier secteur, la section lente, je sais pas trop comment faire. Surtout que j'ai pas de vitesse de pointe, j'ai pas de grip. Enfin, dans une mine lande, hein, de toute façon. Ça, c'était la logique. Voilà. Ouais, je peux sentir un peu là, ça gêne pas. Alors là, il me double, il me redépasse, c'est l'IA, quoi. Alors c'est dommage qu'on puisse pas avoir de la Rosa derrière, plutôt que Montoya. Enfin, je dis ça, mais on n'a pas eu. Bah non, je suis bête, on n'est pas encore à Indianapolis. Du coup, Montoya est encore là. Non, mais c'est vraiment une blague. Regardez, j'ai les deux. Allez, vas-y, passe, passe, c'est bon, t'es passé. Oh là là, mais c'est pas possible. Et du coup, derrière, il y a une Renault. Et évidemment, je suis dans le bouchon. Et du coup, je peux pas sortir. Et voilà, et du coup, c'est temps perdu. Et puis, il va ralentir devant moi, évidemment. Merci la Renault, ça sert à rien. Bon, c'est certain, de toute façon, j'ai totalement loupé dans ce tour-là. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trop d'essence. C'est vraiment le tour d'après. Époustouflant, de quoi être satisfait sans plus. Alors autant sur F1 97, j'ai trouvé un peu la solution pour améliorer un peu mes chronos, autant ici aucune. J'ai vraiment aucune idée comment on peut faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer sur le setup, parce que de toute façon si je baisse les ailerons, je peux impossible de tourner, il me dépasse pareil. En ligne droite, j'ai à peine un peu plus de vitesse de pointe. Et quand j'en mets trop, j'ai plus de vitesse de pointe. Et la voiture tourne pas bien non plus. Donc, je pense que j'ai vraiment pas de solution. Par contre, là, il faut vraiment que ça s'arrête. Hein. Je vais me garer, ça va me saouler. Putain, il faut dépasser quoi une voiture? Il faut dépasser quoi une bagnole? C'est bon? J'arrive même pas à en sortir bien. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Tour chronométré à nouveau. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Ah ouais, le vibreur, faut pas y aller. Et évidemment, voilà. Au moment où je l'ai dépassé, il va être devant moi. Ouais, pas mal. Est-ce que je peux prendre inspiration un petit peu? Bon, c'est pas le meilleur enchaînement que j'ai pris, mais on va dire que ça passe. Weber, une 21-3, oui, tout va bien. Ah, j'ai raté totalement la corne. Il a fait ce qu'il fallait ici. Ah, il faut que je trouve une solution ici pour pas trop freiner. Ouais, ça me sort de la piste, quoi. C'est bon, il est passé. Nickel. Ah, mais en plus, il tourne. Bon, c'est pas grave. Allez, encore une tentative, il reste 4 minutes, je pense que ça va être la dernière tentative. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Ouais, là, je l'ai bien pris. Là, je l'ai bien pris, à fond. Belle intérieur. Pas sorti trop large. Pas trop de frein. On est bon. Ok. Pour vraiment bosser, bon ce premier secteur.
Bon, secteur 2 moyen, mais ça va. J'ai fait. C'est correct, c'est correct. Yuji Hide boucle son tour. Je pense qu'il peut être content de lui. Yarno Trulli obtient un nouveau temps. Ok, je ressors un peu mieux. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Bon, bah une 22.9, j'ai plus d'essence, donc je voulais m'arrêter. On va faire revenir au garage, franchement c'est fini. Et du coup, c'est le 21... c'est le 21e temps. Je suis dégoûté parce que c'est un circuit qui est... Enfin, je trouve qu'en termes de... En termes de trajectoire, en termes de vitesse, on est plutôt pas mal en fait. Hein. On se débrouille plutôt bien. Mais en fait, ça marche pas quoi, ça marche pas du tout. Nous poursuivrons donc la Allez, on va passer tout la suite, quitter la séance. Blablabla, voilà, quitter séance. Les jeux sont faits. On a tout vu. Alors, pour la course, est-ce qu'il va pleuvoir? J'en ai aucune idée, on va pas le savoir. Bon voilà, c'est la course de toute façon. Et à mon avis, il pleut. Silverstone est le berceau du sport automobile britannique. C'est ici également qu'a débuté le premier championnat du monde de Formule 1 en 1950. Même si son tracé a changé au fil des années, le circuit présente encore quelques virages spectaculaires, notamment les courbes de Beckett's et Bridge, un surprenant virage à droite. Il fait froid et le ciel est bien dégagé pour l'instant. Les pilotes ont une bonne visibilité. Giancarlo Fisichella est en pole position. Felipe Massa prend la deuxième place sur la grille. À la troisième place, Schumacher. Quatrième, Fernando Alonso. Alonso, Trulli, Button, Raikkonen, Heidfeld, pas de truc extraordinaire. Plus que quelques secondes avant. C'est parti pour le Grand Prix. On sent vraiment la pression monter. La course a commencé. Oh, j'ai fait un bon départ là, j'ai... Je le savais, je le savais. Je l'avais anticipé tellement que, bah en fait j'ai quand même fait la bêtise, mais c'est pas grave. Bon, ce qui est bien, c'est que ça m'a fait chauffer une partie des pneus, c'est bien. Je vais faire attention quand même, voilà. Bon, bah mauvais départ, on partait 21ème, donc c'est pas non plus trop changeant. J'ai peur que le temps de se gâte, hein. Vraiment, je le sens pas du tout ce temps. Bon, l'avantage, c'est qu'au début, ils sont un peu empaqués. Du coup, on peut remonter. En tout cas, j'espère qu'on va pouvoir remonter, parce que si on n'a pas le rythme, ne serait-ce que Yuji Hide, ça va être déprimant. Cool, bro. Ouais, on revient petit à petit. Alors, ce qui serait bien pour moi, c'est que mon rythme de course soit meilleur que mon rythme d'essai, quoi. Ça me permettrait d'être au moins en bataille avec les autres. Voilà à quoi ressemble la course après le premier tour. Fisichella est en tête. Massa est deuxième. J'ai trop tourné au début, du coup j'ai pas. Bah, j'ai raté de tourner et du coup je me suis retrouvé totalement à l'extérieur. Trulli à la sixième place. Il est tombé de la cinquième place. En septième position, Raikkonen. Bon allez, là maintenant il faut y aller parce qu'il commence à. Ça commence à aller de plus en plus vite devant. J'ai pas l'habitude de rouler avec autant d'essence hein, par rapport aux essais. Allez, j'espère qu'il va y avoir un abandon ce tour-ci. Je le sens bien. En général, il y a souvent un abandon. Il faut que je fasse des erreurs que je fais pas en essai aussi. Hein. Ça, c'est génial.
inventer des nouveaux points de blocage. Voilà, typiquement un truc que je fais jamais en essai. J'ai pas eu les écarts par contre avec ID, on a combien de retard? Ouais, 3 secondes. Voilà, enfin bien pris, ouf. Voilà, bonne trage, là c'est bien. J'ai un petit problème de reconnaissance de la manette aussi depuis quelques temps, c'est un peu dommage. Pas trop que je la bouge. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Alors il est 3 secondes et quelques, on va voir maintenant l'écart. Dans le secteur suivant. Ouais, 2 secondes de mieux surtout par rapport aux IA. Quatrième tour de ce Grand Prix. Fisichella est en tête. Massa est deuxième. Schumacher est en troisième position. Après faut doubler aussi, hein, c'est pas. Attraper c'est bien, doubler c'est mieux. Trulli à la sixième place. En septième position, Raikkonen. Derrière lui, c'est Ralph. Oh, j'ai effleuré le mur intérieur. Ah, j'ai même pas freiné, j'ai juste ralenti. Par contre, je suis pas remonté sur le bon rapport là. Je sens arriver la pluie, je sais pas pourquoi. Ça devrait pas tarder. Bon, y a pas de gros nuages en fait, donc ça, pour l'instant ça va. Il y a aussi un nuage au fond, mais bon, il est pas. Ce temps était de 1,19. Il est pas, pas encore trop noir. Plus rapide que Felipe Massa. L'écart est maintenant de 8 dixièmes. Est-ce qu'on va enfin les recoller? Montero est 19ème. Ah, j'aimerais bien finir devant lui. Hein. Faut qu'on reprenne l'avant-dernière ou avant-dernière place du championnat. Hein. Et là j'ai loupé ma sortie. Je suis limite bordure aussi ici. En fait il faudrait que le vibreur il commence un peu plus tôt, légèrement plus tôt, genre 3 mètres plus tôt. Pourquoi j'ai toujours tendance à regarder derrière même quand je suis dernier. Genre ils sont déjà en train de prendre un tour. Massa met la pression ici. Ce temps était de 1,19,21. Son avance sur Massa a considérablement augmenté. L'écart est actuellement de 7 dixièmes. Je prends beaucoup mieux ce virage au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Et deuxième, Schumacher est en troisième position. Quatrième, Alonso. Button est cinquième. Trulli à la sixième place. En septième position. J'ai bien tort son aspiration à Yuji Hide. Deuxième de mieux dans la troisième portion. Oh! Oh la glissade! Et pourtant j'étais pas dans le sol vibreur hein. Ouf, ça a failli être le gros carton par contre.
Eh, wake up là, faut arrêter de me regarder derrière. C'est dommage, j'étais remonté un peu. Vous savez, quand on va sur le vivant, ça glisse d'un coup. Hein. Par contre, il y a un énorme écart entre les milliers. Ouais, mon terreau est vraiment loin. Je suis aussi à faire mon meilleur temps alors que j'ai loupé le premier virage tout à l'heure. Ah, je suis au taquet, alors vraiment, on a vu. Je peux pas faire mieux. Allez, la ligne droite. Zéro seconde de mieux. Fisichella marque ici son meilleur tour en course. Ce temps était de 1:19:24. Felipe Massa le voit. J'ai dit qu'il prend l'extérieur. L'écart est maintenant d'un peu plus d'une seconde. Une et un dixième pour être précis. Nous en sommes aux deux tiers de la course. Pou. Massa est deuxième. Schumacher est en troisième position. J'ai vu la trace. J'ai vu la trace en sortie du. En sortie de bridge. Et malheureusement, ça m'a trop déconcentré. Ah, ouais, on est 21ème parce qu'il a abandonné devant. J'ai perdu beaucoup de temps là par contre. Voilà, il va falloir vraiment. Encore ? Super temps dans la première portion, ne te relâche pas ! Bon, elle est à l'extérieur là. La tâche. Donc deux abandons. Montero 17. Ah, j'ai un peu tapé le nez dans mon accrochage avec ID. Fisichella est en tête, Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Il était en quatrième position. Button est quatrième. Il a progressé d'une place. Trulli, cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Hetfeld est septième. Et voilà Juan Pablo Montoya, huitième. Ah, c'est fou. Hein. Tant de retard. Ouais, mais j'ai aussi moins d'essence. Nous entamons les derniers tours de ce Grand Prix. L'écart est encore significatif, mais Rubens Barrichello a fait une belle remontée. Il pourrait bien arriver à le doubler. Tout porte à croire que Villeneuve va se faire doubler. L'écart est à présent de 0,2 secondes. Villeneuve gère très bien cette deuxième portion. Pour l'instant, l'écart est de 0,4 secondes. Alors qu'on entame les derniers tours, Fisichella est en tête, Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Button est quatrième. Villeneuve prend les choses en main. Il fait sa portion la plus rapide.
Il a creusé l'écart d'un dixième de seconde supplémentaire. Bon, j'ai l'impression que il tourne de plus en plus vite, UGD. J'arrive pas non plus. J'arrive plus à rattraper en fait. Barrichello a réussi à réduire l'écart cette fois. Plus qu'un dixième de seconde d'écart. Un dixième, il aurait doublé le Barrichello. Alors, regarde l'écart sur le circuit. Ouais, bon. Montero, il a plus d'une ligne droite d'avance, tout va bien. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Villeneuve commence à reprendre de la vitesse. Il a creusé l'écart de 2 dixièmes de seconde supplémentaire. Alors qu'on approche de la fin de ce Grand Prix, Fisichella est en tête. Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Button est quatrième. Rulli, cinquième. Villeneuve prend les choses en main. Oh non ! Oh mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Je crois qu'il y a un problème au niveau du 14e virage. C'est Christian Albers. Mais j'ai... Mais... Pff, ouais, bon, allez. Sa course est terminée. J'ai jamais de chance en fait, hein. Semble en parfait état. Silverstone nous a réservé une bonne surprise. Bon, c'était pour quoi, hein, pour gagner une position dans tout le Grand Prix. Allez, victoire de Fisichella est là devant Alonso. J'ai fini combien de courses moi depuis le début? Zéro, je crois. Une. Je crois que j'ai fini une course. Button 3ème, Trulli 4, Raikkonen 5, Heidfeld 6, Montoya 7, Villeneuve marque des points. Montero finit 15ème parce qu'il a vraiment Schumacher clean. Et moi-même. Cette idée. Du coup, championnat constructeur, évidemment. Ouais, il manque un point. Championnat constructeur, Albert Ferrari, Sauber passe 6ème au championnat. Renault largement devant. Et on est toujours dernier, c'est magnifique. Bon, bah écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Franchement, j'ai peut-être un petit... Ouais, j'ai fait deux grosses erreurs qui me font perdre un peu de temps, mais honnêtement, on se serait peut-être baladé en 20ème place maximum. Du coup, prochaine course, le Canada. Est-ce qu'on va enfin réussir à finir une course? Bah écoutez, vous aurez la réponse dans une semaine. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!